Savez-vous qu'il existe dans nos eaux un poisson qui a fait transpirer les juristes du monde de la pêche ? Ce poisson, c'est le poisson-chat américain Ameiurus melas, introduit au début du siècle dernier. Sa présence dégrade les milieux, notamment en augmentant la turbidité de l'eau. Et plus récemment, on a découvert qu'il était également porteur d'un virus très proche d'autres virus qui infectent nos espèces locales. Bref, notre poisson-chat est donc classé depuis pas mal de temps espèce susceptible de provoquer des désordres écologiques, ce qui interdit son introduction et a priori sa relâche. Mais en 2016, un alinéa vient préciser que la relâche n'est plus considérée comme une introduction. Cette précision règle la question du brochet en première catégorie, mais sème le trouble concernant une espèce clairement identifiée comme néfaste. Ce n'est que récemment, en 2022, que l'Europe a tranché en le classant espèce exotique envahissante. Désormais, il est donc interdit de le remettre à l'eau, même mort, ou de le transporter vivant en cas de capture. La question qui demeure en revanche, c'est talus ou accra? Mais ça, c'est une autre histoire.